Armel, on est avec Dominique, le pro du golf de Saint-Laurent. Bonjour. Bonjour. Alors, je crois que vous vouliez travailler les approches roulées. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Dominique? Alors, Armel, pour réussir ce petit coup qui est très fréquent à jouer, puisqu'on n'atteint pas toujours le green du premier coup, donc on se trouve un petit peu en bordure de green, donc je vais vous proposer une bonne position pour pouvoir réussir ce coup. La position va nous permettre de raser la terre après la balle. Pour ce faire, on va se mettre en place. Allez-y, Armel. Vous allez placer la balle un petit peu à l'intérieur de votre pied droit. Voilà, n'écartez pas trop les pieds. Laissez maintenant le manche et la main gauche venir vers la cuisse gauche. Voilà, nous avons maintenant la bonne position. Voilà. Et maintenant, je vous propose de raser la terre à partir de cette position. Allons-y, Armel. Un peu plus, on va raser un peu plus la terre encore. Oh là, on va être très bien. Allez. Oui, super. Allez, confiance, Armel. Parfait. On est plus que parfait. Oui. Il nous a manqué 10 cm parce que nous avons touché le sol un tout petit peu avant la balle et pas suffisamment après la balle. Donc il faut la toucher quand? Dites-nous bien. Je vais prendre la balle. Vous voyez, la balle, si je la mets sur le pied droit, le manche va être très légèrement avancé sur la cuisse gauche. Donc mon idée maintenant, c'est que je peux raser la terre et donc prendre la balle dans la descente du club. Ok. Alors que toute intention de joueur, c'est de se dire, pourvu que je la soulève bien, c'est je ça. La touche bien. C'est l'erreur. Elle ne décolle jamais. Voilà. Deuxième chance. Allez, c'est parti. Donc bien balle pied droit, main vers la cuisse gauche, très peu d'écartement de pied. L'élan n'est pas nécessaire. On rase la terre après la balle, Armel. Bravo, Armel. Là, il y a du talent. Bravo. Il y a du talent. Je le conçois, il y a du talent. Merci, le pro. Merci. Merci beaucoup.